Métropolis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement le but de cette journée aujourd'hui ? Eh bien, le but de cette journée, c'est de faire découvrir au plus grand nombre le travail des écoles de chiens guides en France et plus particulièrement de l'école de chiens guides de Centre Paul Corteville qui possède deux structures, une à Roncq à côté de Lille et une à Ongemar-Guenouville à côté de Rouen. Le chien guide ? Quelle est l'utilité d'un chien guide ? Alors le chien guide a beaucoup d'utilité, la première étant de permettre aux déficients visuels et aux personnes aveugles de se déplacer, de retrouver de l'autonomie et de se déplacer en toute sécurité. Et ça coûte combien un chien guide en ayant une tranche à peu près Alors un chien guide d'aveugle est remis complètement gratuitement à un déficient visuel. Mmh. L'association prend tout à sa charge et le coût de revient pour l'association d'un chien guide, c'est environ 25 000 euros. Comment on peut vous contacter ? Vous pouvez faire des dons par le biais du site internet de l'association www.chienguide.org, pardon. Mm-hmm. Par voie postale, par les voies classiques du don. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous préciser votre fonction justement Je suis chargée des sensibilisations sur l'handicap et sur les chiens guides, sur les missions des chiens guides. Et mon but, c'est vraiment de faire partager mon témoignage à tout public, mais surtout aux personnes déficientes visuelles, pour dire, quand on a un chien guide, on est très très autonome après. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis accompagnée de Oups, Alors, on va montrer justement le chien qui est là avec vous. Voilà, ma petite chienne Labrador noire qui a 7 ans, cette année. Donc là, pour le moment, elle a 7 ans, hein, c'est oui, ça? Oui, elle a 7 ans. Et vous avez toujours eu la même race de chien ou vous avez eu des races différentes? Alors j'ai eu deux labradors sable et deux labradors noirs et entre deux j'ai eu un caniche royal. J'aurais le plaisir de dire que c'est plus qu'une amitié entre le chien et la personne. Alors, ça c'est important justement. Voilà, on parle de binôme, on parle de fusionnel et c'est vrai que l'importance du travail des professionnels éducateurs, enfin toute l'équipe d'une école de chien guide va permettre vraiment de bien comprendre la personne et son mode de vie, son tempérament, etc. parce qu'ils vont vraiment adapter le chien par rapport au fonctionnement de la personne non voyante et au plus ça va se rapprocher au bout de 3, 4, 5 mois la fusion va se faire. Moi, elle m'a donné les marches, elle a attendu, parce qu'il y avait du monde devant nous, elle a attendu et elle n'a pas besoin de me faire comprendre quoi que ce soit, parce qu'on s'arrête, voilà. C'est vrai que c'est vraiment un amour, quoi. C'est surtout, on va parler plutôt d'amour, de partage, mais au plus on va sortir avec son chien guide, au plus ça va être un confort. Vous arrivez à tout gérer avec votre chien ?
C'est-à-dire oui. Au niveau des obstacles, par exemple, alors, vous arrivez dans la vie. Le chien, quand il est remis, il a son CAG, certificat d'aptitude à guider. Donc, il sait éviter tous les obstacles. Quand on a un chien guide, on sort beaucoup plus, on prend plus d'initiatives, on reprend des fois les études ou on cherche un travail. Parce que voilà, la facilité de déplacement avec le chien guide, c'est inexplicable, c'est la liberté. Donc on facilite la vie, tout comme ça. Alors. Ça nous facilite la vie. Et on peut aller partout avec le chien guide, parce qu'on est protégé par un test de loi. Donc on peut aller dans les magasins d'alimentation, aux hôpitaux, dans les consultations, on prend tout transport en commun. Mais vraiment, c'est vraiment la liberté. Quand on vous parle de liberté, c'est fort.